Cette cathédrale de tuyaux, c'est le système de nettoyage automatisé de l'usine Candia à Clermont-Ferrand. Une usine qui traite plusieurs millions de litres de lait chaque année dans des normes d'hygiène très strictes pour la fabrication de beurre et de lait concentré. Pour nettoyer, principalement, on utilise de l'eau auquel on ajoute soit de la soude, soit de l'acide. Et on envoie ces mélanges d'eau plus soude ou d'eau plus acide dans toutes nos tuyauteries, dans toutes nos tanks, dans tous nos pasteurisateurs, afin de les laver. Et tous les débuts de production sont contrôlés également. Il y a 4 ans, un audit interne sur la consommation d'eau a ciblé les investissements à faire pour réaliser 40% d'économies. Typiquement, cette instrumentation nous a permis de travailler sur nos lavages. Ces sondes et ces capteurs de précision ont été installés sur les 2/3 des machines. Accompagnés d'un logiciel de calcul, ils permettent de rationaliser les débits d'eau. Chaque nettoyage, lorsqu'il est fait à la main de l'opérateur, il est remonté sur ce logiciel et il va aller se comparer à l'étalon que l'on a choisi. Pour économiser, il faut analyser. Pour analyser, il faut mesurer. Et donc ce moyen-là a été le principe de mesurer la totalité de ce qu'on consommait et de pouvoir optimiser derrière tout ce qu'on allait pouvoir économiser. Ces profonds changements n'ont été possibles qu'avec la mobilisation collective de l'ensemble des salariés qui offrent par là même un bel exemple à suivre pour les autres usines du groupe Sodial. Nos chiffres attisent la curiosité et on a pas mal d'autres usines du groupe qui viennent voir ce qu'on a fait et qui même sont en train d'installer ce logiciel. Et je pense que toute l'usine en est fière. Qu'on parle de Candia Clermont bien. Le PUR, le plan d'utilisation rationnelle de l'eau, signé avec la Chambre de commerce et d'industrie et la préfecture du Puy-de-Dôme, a donc permis ici de réelles économies d'eau et d'argent. Il est ainsi possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre.